Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 12 de Au coin du Blu-ray. Épisode 12, donc toujours consacré à la lettre E, dans laquelle, finalement, avec le recul, je n'ai pas grand-chose, à part les quelques films que je vous évoquais la dernière fois, mais où du coup j'ai retrouvé une petite pépite. Une petite pépite qui, malheureusement, n'a jamais eu de Blu-ray en France, mais heureusement a eu un Blu-ray dans une certaine contrée pas loin de chez nous, qui s'appelle les Pays-Bas. Et c'est un très beau film. Un très beau film dont j'ai encore jamais eu l'occasion d'évoquer le sujet sur la chaîne. Et au-delà de ça, j'ai pas eu tant que ça la chance de pouvoir évoquer son réalisateur, qui pourtant est un réalisateur que j'apprécie énormément parce qu'il a un univers assez loufoque, assez déjanté et assez unique en son genre. Et ce réalisateur, c'est Michel Gondry. Et ce film, c'est L'écume des jours. Alors bonjour, je m'appelle Valentin Breuré et je vais essayer de vous résumer l'histoire de L'écume des jours. Je pense me contenter simplement de vous dire que c'est l'histoire de Colin et de Chloé qui vont se rencontrer, qui vont tomber amoureux et qui vont se marier. Parce que si je commence à vous raconter qu'en plus Chloé derrière va commencer à tomber malade et va avoir un nénuphar qui va lui pousser sur un poumon, voilà, je pense que vous allez vous demander qu'est-ce qu'il est en train de me raconter comme film. Ce que je pourrais complètement comprendre. En même temps, c'est un film de Michel Gondry. Et les films de Michel Gondry sont souvent allumés en termes de concept. Ils ont souvent une base qui semble plutôt crédible et cohérente, mais la plupart du temps, passé un certain stade, ça commence à aller vers une idée qu'il faut amuser le spectateur ou alors le pousser dans un univers où le réalisme va littéralement sombrer dans le fantastique en un claquement de doigts. Je vous renvoie bien évidemment vers Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui littéralement dans le genre est la meilleure démonstration, parce que je pense que c'est un des films les plus barrés de Michel Gondry et en même temps un des plus accessibles, se mêlant parfaitement avec l'univers de Kaufman tout en étant un film appartenant au cinéaste. Mais j'ai vraiment une préférence pour L'écume des jours, que je trouve être un très beau film. L'écume des jours est un film qui arrive à la fois à allier le côté simple de Brick et de Brock et en même temps très inventif de Gondry, en étant en même temps une pure œuvre fantastique. En même temps, adapter le travail de Boris Vian à l'écran, ça devait être une sacrée galère, mais je pense qu'il pouvait y avoir que Gondry pour réussir à porter cela à l'écran, parce que lorsque vous regardez L'écume des jours, bah, pas se voiler la face. Et je vois personne d'autre, en fait, si peut-être Wes Anderson, et encore Wes Anderson, je suis pas sûr que ça coïnciderait parfaitement avec le style de Boris Vian. Or là, entre les mains de Michel Gondry, il y a constamment cette envie de vouloir jouer avec un imaginaire qui soit tellement atypique que le spectateur ne peut qu'être séduit, en fait, par ce qui arrive. Et c'est ça, en fait, qui est beau avec Michel Gondry, c'est que vous regardez la plupart de ses films, ce sont des films qui, au-delà d'être beaux, au-delà d'être poétiques, au-delà de l'être créatif, ce sont des films qui sonnent comme étant fait par un passionné de cinéma et un passionné de construction. Parce que certains des décors, certains des effets de style, certaines des manières de faire les transitions ou même d'amener le cinéma à régresser au fur et à mesure que l'œuvre avance, je pense qu'il faut vraiment être amoureux de cinéma et il faut vraiment aimer la construction. Parce que le film, j'ai pas envie de vous spoiler, mais la fin est assez extraordinaire. Je pense qu'elle va vous renverser et que vous allez vous dire c'est quoi ce voyage et comment il finit et pourquoi il finit comme ça et pourquoi j'ai un sentiment bizarre qui me parcourt le bas du ventre. Parce que le film va dans une direction constamment surprenante, jouant avec les attentes du spectateur, jouant avec des interprètes qui se donnent tous à fond pour faire en sorte que l'univers rende bien, mais qu'au-delà de rendre bien, il le rende attachant. Où on se dit que cet univers, même s'il est complètement barré, complètement pété, complètement fumé, il n'empêche que il a cette petite vibe, ce petit esprit, cette petite mouvance qui consiste à aller dans sa petite bulle et à ne pas en sortir. Et moi, c'est ce que j'aime avec les films de Michel Gondry. Ce sont des films, même un de ses derniers, La Microbe et Gasoil, qui est extrêmement sobre, extrêmement simple, et qui peut-être est un des films les moins gondriesques du genre, arrive quand même à sonner dans cette vibe-là, parce que Michel Gondry, même quand il va s'estomper un petit peu, je pense aussi à The Green Hornet, hein, qui est beaucoup conspué par pas mal de spectateurs. Personnellement, moi, j'aime beaucoup The Green Hornet, parce que Gondry garde quand même son idée de faire du truc avec des briques et de broc, même s'il a des effets spéciaux. Et ça marche plutôt bien, même si le film est clairement bouffé à la moelle par Seth Rogen et Eva Goldberg, qui à l'écriture ont vraiment pris le pas sur tout le long métrage. Et je pense que honnêtement, Michel Gondry n'a dû avoir qu'une toute petite place dans laquelle il a essayé de se greffer. Et pour le coup, il s'en sort pas trop mal. Mais Michel Gondry,
Malgré ça, il a toujours été capable de faire ressortir son univers, malgré les limitations soit de ses sujets, soit le fait que, ici par exemple avec l'univers de Boris Vian, il va devoir imaginer des choses par rapport à certaines choses déjà imaginées par un autre auteur, ce qui peut être une tâche quasi incommensurable pour un cinéaste. Mettez-vous à la place, vous êtes un créatif et vous devez adapter un créatif. Il n'y a rien de pire. C'est comme si vous aviez l'impression de voler des idées à quelqu'un, mais quand même de tenter de vous les approprier. Ça doit être très compliqué, ça doit être très tortueux dans sa tête. Et pourtant, il le fait à merveille. Au sein de l'écume des jours, constamment, il réinvente et il conçoit des belles images qui, au-delà d'être simplement belles, sont entraînantes, sont touchantes, sont fortes. Et moi, c'est ce que j'aime avec l'écume des jours. Et au-delà de ça, bien évidemment, je ne peux pas ne pas parler du casting de ce film qui est juste exceptionnel, allant de Romain Duris, en passant par Audrey Tautou, en allant vers Omar Sy, vers Gad Elmaleh, vers... Que des super acteurs. Il y a que des super acteurs dans ce film. Il y a même des tout petits caméos qui sont tellement bien amenés que... On ne peut que les adorer. Philippe Torreton, par exemple, a un tout petit caméo dans le film. Personnellement, moi, j'adore son caméo, je le trouve génial. Et le film est bourré de ça, et tous ses interprètes ne sont jamais dans un surjeu, comme ça peut être parfois le cas. On a souvent tendance à dire que les acteurs français sont parfois un peu à côté de la plaque, et notamment, on le voit sur certaines séries Netflix, où ça ne fonctionne pas hyper bien. Là, ils sont tous bons, ils sont tous beaux, ils sont tous touchants, ils sont tous entraînants, et ouais, moi, ils m'ont vraiment transporté à l'époque. Je me rappelle que c'est un de ces films français où je me suis vraiment dit que tous les acteurs faisaient en sorte que l'univers prenne vie par le biais de leurs interprétations. Et ça m'avait beaucoup ému. Parce que je crois que j'étais allé le voir 3-4 fois au cinéma lorsque le film est sorti. Parce que réellement, il m'hypnotisait et je le trouvais très très beau. Donc ouais, si vous avez jamais vu L'écume des jours, franchement, mais n'hésitez pas une seule seconde. Vous allez voyager dans un espèce d'univers qui sort complètement de nulle part, qui va vous hypnotiser, qui va vous charmer et devant lequel vous allez rester fasciné de bout en bout. Et personnellement, moi, je serais ravi que vous le regardiez parce que je pense que vous allez adorer ce long métrage. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, rematez-le. L'écume des jours de Michel Gondry est un film assez exceptionnel pour être rematé, 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 encore et encore. Ça ne sera jamais un mal. Ah oui, au fait, je ne l'ai pas dit. Il n'y a pas beaucoup de bonus dessus. Il y en a quelques-uns, notamment quelques making-of ou des choses comme ça. Ça reste assez minime, mais par rapport à l'édition DVD française qui, elle, n'a rien du tout, bizarrement, l'édition des Pays-Bas est un petit peu plus bourre en bonus, qui est un véritable paradoxe. Ainsi s'achève cet épisode 12 de Au coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de L'écume des jours et de manière générale de Michel Gondry. J'aimerais bien avoir votre retour de ce que vous pensez de Michel Gondry, qui est quand même un cinéaste français assez atypique. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de bourré. Bien plus de secrets d'ailleurs.